Délibération pour la fusion du SAEPA Bas-Sud et de Gournay-en-Bray. Suite à la réception du courrier de Madame la sous-préfète de Dieppe, en date du 3 septembre 2015, le projet de périmètre et les statuts doivent être soumis pour approbation au conseil municipal de votre commune. Comme convenu, je vous transmets le modèle de délibération en pièce jointe. Proposition de la délibération. Objet, avis sur le projet de périmètre d'un syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement issu de la fusion du SAEPA du Bras-Sud, du syndicat d'eau et d'assainissement de Gournay et Ferrières-en-Bray et du SIVU de la station d'épuration Neuf-Marché de Saint-Pierre-et-Jean. Vu l'article L 5212-27 du Code général des collectivités territoriales, vu le courrier du 3 septembre 2015 de Madame la sous-préfète de Dieppe, vu l'arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2015 fixant un projet de périmètre en vue de la fusion des syndicats suivants. Syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Bras-Sud, syndicat d'eau et d'assainissement de Gournay-Ferrières-en-Bray, SIVU de la station d'épuration de Neuf-Marché de Saint-Pierre-et-Jean. Il appartient désormais au conseil syndicaux des trois EPCI, ainsi qu'aux conseils municipaux des 19 communes concernées de se prononcer sur ce périmètre, à défaut de délibération dans un délai de 3 mois à compter de l'unification de cet arrêté, l'avis de la collectivité est réputé favorable. Monsieur le maire rappelle qu'à l'issue de cette phase de consultation, et si les conditions de majorité prévues par la loi sont acquises, monsieur le préfet pourra prendre l'arrêté de fusion. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc on va délibérer, et donc ce sera approuve le projet des périmètres de fusion des syndicats suivants. Le syndicat d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Bras-Sud, syndicat d'eau et d'assainissement de Gournay-Ferrières-en-Bray et le SIVU de la station d'épuration Neuf-Marché de Saint-Pierre-et-Jean au sein de nouveau syndicat d'eau et d'assainissement. Donc, quels sont ceux qui sont contre ? Pour des questions d'abord, est-ce qu'on a un délégué à ce syndicat ? 2 délégués. Qui sont-ils ? Moi et Jean-Marie Franck. Et est-ce que vous pouvez donner des explications par rapport à ça ? Mais c'est qu'on avait, on a commencé un peu expliqué là-dessus. Il y avait le syndicat de Bressune qui était à Neuf-Marché. Après, il y a Gournay-Ferrières qui est un deuxième syndicat. Après, la station d'opération Neuf-Marché de Saint-Pierre-Champ. Et ils veulent fusionner parce que déjà, on dirait deux syndicats. Bras-Sud et Gournay-en-Bray, ça a été la guerre pendant des années, ça a été au tribunal, au tout passage. Avec des problèmes financiers, non, il me semble. Ah non, puis, et quand on ne nous a pas donné les chiffres de Gournay-Ferrières, on ne peut pas savoir. Le prix de l'eau. Justement, Le problème, si on découvre les chiffres une fois qu'on a fusionné, j'espère qu'ils ont encore de l'argent parce qu'ils doivent 2 millions d'euros à notre syndicat. Ouais. Fusionner. Bien. Mais ils sont obligés d'avoir de l'argent de toute façon. Bon, s'ils fusionnent, ils n'ont plus les sous là. Bah oui. Et après, normalement, ça va être un compte commun. Bah oui. Et voilà, donc en fait, c'est même le percepteur de la feuille a pas le droit de nous donner les chiffres. D'accord, mais de toute façon, nous, si on s'oppose, de toute façon, ça sera quand même. Ça sera favorable de vous trop. Si on s'oppose, si toutes les communes. Moi, en tant que délégué, je suis pour. Mais bon, après, ça, c'est votre. Mais donc, du coup, on a payé en fait, pour avoir l'air pendant des années la flotte, et c'est là, finalement, ils arrivent, ils vont repartir à zéro, et puis nous, bah, Enfin, le problème qu'on a dans ce syndicat, c'est que Bras-Sud fournit, je crois, 65% de la station d'eau de Neuf-Marché. Il y a 65% qui part à Gournay. Et alors, quel problème ? Dans tous les cas, même si on ne peut pas leur couper l'eau, dans tous les cas, même si c'est pas résolu au pénal, on est obligé de défendre. Ça a déjà été récemment en thèse. Ça veut dire vaut mieux qu'ils payent à partir de maintenant ou jamais. Enfin, bon, ça a été au tribunal déjà plusieurs fois. Ça a été au tribunal, ça a été plusieurs fois en préfecture, au niveau du préfet. Mais c'est la meilleure solution qui a été récupérée. Donc, c'est entre nous qui sommes, qui nous doivent. À peu près sur 2 millions. Eux, ils ont un déficit de 2 millions, ben, normalement, c'est de s'éliminer. Ouais. Et normalement, c'est pour éviter les conflits entre qu'on leur fournisse de l'eau, on va dire gratuitement. Mm. Et on sait que ça va continuer, même si on fait rien, parce qu'on ne peut pas le manquer. Tu dis quoi, Germain, tu dis quoi c'est... Dans tous les cas, on est obligé, tu ne peux pas empêcher de fournir de l'eau à la ville de Gournay. Ça, c'est. Tu
Je peux essayer, mais bon, c'est... Ça a déjà été envisagé. Et la sous-préfète... Mais dans tous les cas, on leur fournit toujours de l'eau, naturellement. Plus que ça dure, plus qu'on a augmenté la dette. Mais là, quand on aura fusionné, ils sont hyper enlargés. Normalement, nous, dans les bilans comptables, ils nous doivent 2 millions. Donc normalement, eux, de leur côté, ils doivent avoir 2 millions de côté. Les 2 millions qu'ils nous doivent. Après, je ne suis pas sûr que c'est si réel, parce qu'il y a des histoires de contrats avec... les prix de l'eau qu'ils ont vendu à certaines sociétés. À certaines sociétés qui seraient moins chères que le prix qu'ils s'étaient engagés à faire. Donc c'est pour ça que les déficits qui se créent, c'est pour ça qu'ils nous perdent. Du coup, il n'y aura pas de. Bon, en clair, c'est. On part sur le principe qu'il y a un vrai compromis qu'un bon procès. En sachant que le procès, ça peut encore durer pendant des années. Un bon compromis, c'est quoi? C'est quoi, c'est ce bon compromis pour nous? Le compromis, c'est qu'on peut partir d'une valeur stable, et ça fait que maintenant, on pourra au moins se faire payer l'eau qu'on leur fournit. Alors que là, en pensant, c'est toujours fournir de l'eau. Si on continue à ne pas payer, nous, on va continuer. Non, mais c'est vrai, ça se une fusion, c'est une fusion, tout le monde s'en sort. L'eau fournie, non? Peut-être, mais... Pas sûr. Un peu dégueulasse. Peut-être pas en totalité. Ouais, toi, tu payes pour ton nom, on te la coupe. Hein. C'est un peu vache. Quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre la fusion? Pas le choix, on a toujours le choix de. Si on acte les choses, si on acte le fait d'être contre, moi je ne voterai pas pour, je vous dis, parce que je peux pas voter pour ça, c'est pas possible. Soit s'abstenir, soit voter contre. Mais pour voter pour un truc, on a 3 mois déjà, hein. Du 3 septembre, on a jusqu'au 3 décembre pour voter. Un dossier comme ça en l'état, me dire on n'a pas le choix, il faut le faire, moi généralement dans la vie, je fais jamais ça. Enfin, je veux bien le discours effectivement du bon compromis face à un procès. Non, mais c'est, je vous dis justement, voilà, les débats qu'il y a eu sur le sujet, hein, parce que je sais. J'ai été à la réunion, ça venait déjà depuis des années. Au Sium, on a eu le même débat en 2012. Tout le monde a voté pour la réforme. Après, et maintenant, après, je ne vous dis pas forcément je suis pour. Mais est-ce que même si ça ne passe pas, ça, la solution va s'arranger? On a dit actuellement. Je ne suis pas vraiment pour, hein, parce que c'est vrai qu'on s'assoit sur la solution. Ah, oui. Mais par contre, elle compte, c'est difficile parce qu'on sait que la solution actuellement, ça ne s'est jamais arrangé. Non, mais par contre, il y a eu des frais de tribunaux et tout. Oui, mais je ne sais plus, il y avait eu le candidat 12, après ils attaquaient au tribunal chez moi. Et ça dure au moins depuis une dizaine d'années, quoi. Au moins 6 ans. Mais c'est vrai que la voix des communes, c'est important aussi. C'est-à-dire que quelqu'un fait une action communale, d'accord, mais les gens, les habitants, c'est nous. Dire s'abstenir ou dire non, c'est quand même important de ne pas, dire oui dès le départ. Quoi. Je trouve ça. Quels sont ceux qui sont pour? Moi, personnellement, pour la fusion. Une voix. Contre la fusion. Une. Et donc, le reste, c'est des abstentions. Et on est votre quoi? Ah oui, non, elle vote, c'est moi qui vote pour elle. Deux. Deux votes pour. Deux fois en deux comptes. Donc, ça fait 11 abstentions. On en verra pour ça. Quel est le résultat du vote dans ce cas-là? Non, mais quel est. Après, ça va dépendre de ce que les autres communes vont prendre. Ça a été approuvé ou pas, là? C'est pour les autres. Là, il y a deux voix contre, deux voix pour. Ça a été approuvé. Ça a été approuvé ou pas? Non, mais. Là, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, c'est pas approuvé. Non, c'est pas approuvé. Il n'y a pas une voix. Là, c'est nul. Alors, c'est pour les autres communes. C'est pour les autres communes.